Voilà, nous vous souhaitons à tous la bienvenue en ce dimanche de Pentecôte 2020. Et justement, nous nous réjouissons du fait que le Saint-Esprit soit venu selon la promesse du Seigneur. Et pour cela, nous allons chanter un cantique qui se rapporte justement à cela. C'est le 145 dans les ailes de la foi, « Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel ». Sur nous. Justement, je veux lire ce passage qui correspond à Pentecôte, donc Actes chapitre 2. Donc, Actes chapitre 2, et je vais lire les 13 premiers versets. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu,
la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Voulons remettre ces moments au Seigneur dans la prière. Père Céleste, nous trouvons là devant ta parole, celle que tu as préservée tout le long des siècles. Nombreux ont été ceux qui ont voulu détruire cette parole, mais tu l'as gardée. Et nous l'avons, et nous pouvons la lire. Mais Seigneur, nous ne voulons pas la comprendre avec notre intelligence, avec notre arrière-plan, avec nos idées préconçues, mais nous voulons vraiment justement nous mettre sous la direction du Saint-Esprit, qu'il nous conduise dans notre réflexion et que nous puissions comprendre. Ce sont des pensées qui sont différentes de ceux du monde et nous avons besoin de toi. Et tu, ce matin, quel que soit le besoin de l'un ou de l'autre, que ce soit nouveau pour lui, que ce soit quelque chose qu'il ait déjà entendu, qu'il y ait une parole pour chacun. Et Seigneur, tu sais dans quel état se trouve chacun, à quel stade il se trouve, soit encore dans le doute, soit dans l'égarement, l'errement, ou peut-être qu'il soit justement en communion avec toi. Seigneur, que chacun puisse recevoir de ta part. Nous te prions au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Alors nous sommes justement Pentecôte et donc il s'agit de l'Esprit Saint qui est, et il est présent, l'Esprit de Dieu est présent toujours aux grands événements de l'œuvre de Dieu. De l'œuvre de Dieu dans l'intérêt des humains. Il était là au commencement, lors de la création de la terre. Il nous dit que la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1 et verset 2. Le Saint-Esprit aussi intervient pour la conception de Jésus dans le sein de Marie, en vue de nous donner un sauveur, Jésus. Il est aussi présent sous la forme d'une colombe au baptême de Jésus. Et il est aussi là pour l'inauguration de l'Église, un corps formé de croyants rachetés par le sang de Christ. Nous pouvons aller jusqu'à dire qu'un événement a de l'importance pour Dieu si l'Esprit de Dieu apparaît. Et c'est ce qui est le cas à Pentecôte. Ce qu'on peut dire est que l'œuvre de l'Esprit est de manifester la présence active de Dieu dans le monde et surtout dans l'Église. Dieu se manifestait dans l'Ancien Testament par le biais de théophanie, c'est-à-dire des apparitions de Dieu aux hommes. Il est apparu à Abraham sous la forme d'un homme, à Jacob dans un songe,
il a vu une échelle qui montait jusqu'au ciel et il a compris que Dieu était présent. Il a parvu à Moïse sous la forme d'un feu dans un buisson. Il a apparu à Israël et a manifesté sa présence par le fait de cette colonne de feu la nuit et d'une nuée le jour. Et c'est ainsi qu'il les conduisait dans le désert. Dans les évangiles, Dieu a manifesté sa présence à la personne de Jésus-Christ. Et nous lisons dans Hébreux chapitre 1, les trois premiers versets, il nous dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et aussi s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Et dans l'Église, eh bien, Dieu fait ressentir sa présence par la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, qui vit dans le croyant. Hein, oui, effectivement, il vit dans le croyant. Il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 19, il nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même ?» Si nous tenons compte de toutes ces considérations, eh bien nous déduisons que la venue du Saint-Esprit à Pentecôte, eh bien nous permet de comprendre que pour Dieu, c'était un grand événement. Et si pour Dieu, c'est un grand événement, eh bien cela doit être un grand événement pour nous. Dieu a donné de l'importance à ce jour en manifestant le Saint-Esprit. Il est important aussi pour nous de noter certains autres faits de cette fête de Pentecôte qui a suivi l'ascension de Jésus par une dizaine de jours. Hein, c'était 10 jours après l'ascension que le Saint-Esprit est venu. Quand le Saint-Esprit, hein, nous l'avons lu, quand le Saint-Esprit est survenu sur tous ceux qui étaient dans cette chambre haute, eh bien, ils ont parlé dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Ni leur volonté, ni leur pensée ne pouvaient influencer le contenu de ce qu'ils disaient, puisqu'ils ne connaissaient ni la langue, ni savaient-ils ce qu'ils disaient. Mais nous avons le témoignage de ceux qui ont compris et qui ont dit « Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» C'est Actes chapitre 2, verset 11. Et nous voyons très rapidement à qui nous devons attribuer ce phénomène. Dieu qui parle grâce à l'Esprit Saint qui est dans ses disciples. Vous savez que ce phénomène surnaturel a été annoncé par les prophètes. Par exemple, Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 36, et les versets 26 à 27, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai de sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. »
Et un autre prophète qui a parlé de ce jour, et l'apôtre Pierre le souligne dans Actes chapitre 2, et à partir du verset 17, justement c'était le prophète de Joël, et qui disait que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Et je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, et ainsi de suite. Et les prophètes ont parlé de ce jour où le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, viendrait et prendrait possession des êtres humains et changerait leur comportement. Nous pouvons aussi voir que Jean-Baptiste l'a annoncé. Ça, c'était beaucoup plus récent. Mais Jean-Baptiste, qui avait précédé Jésus-Christ de 6 mois, eh bien, lui aussi dira, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Matthieu chapitre 3, verset 11. Jésus lui-même, juste avant de les quitter pour aller auprès du Père, dans Actes chapitre 1, verset 5, il rappellera aux disciples, il dira, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et son peu de jours, c'était 10 jours. Hein. Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que, contrairement aux manifestations surnaturelles, après lesquelles courent les gens encore, même aujourd'hui, eh bien, cette venue du Saint-Esprit marque le commencement d'une œuvre qui se poursuit jusqu'à notre jour. C'est grâce à ce baptême d'esprit que nous pouvons être ajoutés à l'Église de Jésus-Christ. Il nous dit dans Actes chapitre 2, verset 47, il nous dit « Et chaque jour, il ajoutait à l'esprit, à l'Église, ceux qui étaient sauvés. » Et comment sont-ils sauvés ? Eh bien, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit, qui nous permet, à ceux qui croient, de devenir enfants de Dieu. Et dès qu'ils sont, deviennent croyants, deviennent en Jésus-Christ, eh bien, Jésus les ajoute à son Église. Ce ne sont pas les hommes qui nous ajoutent, c'est Jésus qui les ajoute. Et il ajoute que ceux qui sont à lui. Vous savez, le Saint-Esprit a un rôle particulier de travailler le cœur des non-croyants pour les amener à saisir le message de l'Évangile. L'Évangile, c'est cette bonne nouvelle qui informe le monde que Dieu nous a aimé au point de donner son propre fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix, et ceci c'est pour notre péché, afin que peu importe la personne, peu importe la vie qu'elle a menée, peu importe ce qu'elle a cumulé comme péché dans le monde et devant Dieu, eh bien si elle croit, elle reçoit la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est une grâce de Dieu qui ne réclame de nous aucune œuvre spirituelle. Nous n'avons rien à faire pour recevoir ça, mais c'est le fait d'accepter, de recevoir ce à quoi nous ne pouvons pas accéder autrement. Ça, c'est pour le non-croyant. Hein, le Saint-Esprit travaille dans son cœur et l'aide à saisir, à comprendre le message de l'amour de Dieu. Et pour qu'il puisse arriver au point où il
accepte. Et il prie et dit, Dieu, sauve-moi. Je ne sais pas comment ça marche, je ne comprends pas comment ça marche, mais la Bible dit que si je crois, si je demande par la foi, eh bien tu me l'accordes, je le veux. Et à partir de cet instant même, cette personne sera née de nouveau, née de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu agit. Et Jésus l'introduit dans l'Église qui est son corps, l'Église spirituelle. Donc l'enfant de Dieu qui a reçu la vie éternelle par la foi en la mort de Jésus-Christ pour son péché, eh bien, il devient, comme nous l'avons lu, le lieu d'habitation de l'Esprit-Saint. Et c'est de cette manière-là que Dieu habite dans le monde, comme le tabernacle du désert représentait la présence de Dieu, comme le temple de Jérusalem représentait la présence de Dieu parmi les hommes, eh bien, le croyant aujourd'hui, qui est animé de l'Esprit de Dieu, représente la présence de Dieu dans notre monde. Il peut être dit du Saint-Esprit qu'il nous rend capables de servir, qu'il purifie notre vie et qu'il nous encourage à l'unité et à la communion. Premièrement, l'Esprit anime le croyant. Vous savez, tout comme le Saint-Esprit est descendu et a pris possession du corps de la Vierge Marie et l'a rendu capable d'enfanter un fils, eh bien, de même, Jésus dit aux disciples, il dit, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous deviendrez mes témoins. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1, verset 8. Quelque temps après que Pentecôte, déjà l'Église et les apôtres commencent à ressentir un peu d'oppression de la part des dirigeants juifs, et Pierre et Jean venaient d'être arrêtés, on les avait menacés de ne plus parler au nom de Jésus. Et donc ils rentrent parmi eux, ils se retrouvent là avec les frères et sœurs, ils racontent ce qui leur est arrivé, et puis alors, première chose, c'est de prier. Et ils demandent à Dieu de leur donner de l'assurance, afin de pouvoir proclamer le message de l'Évangile. Et le texte nous relate que quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis de l'Esprit-Saint et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez, c'est toujours l'Esprit de Dieu qui les anime. Ce n'est pas eux la force de leur caractère, leur désir ardent, leur passion. Non, non, c'est l'Esprit-Saint qui prend possession de Dieu. L'Esprit, eh bien, anime le croyant. L'Esprit-Saint aussi, il est là pour nous aider dans notre vie de prière. Il nous assiste parce que parfois nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas quoi dire et nous avons peur de ne pas bien le dire. Vous savez, vous pouvez toujours citer des passages de la Bible, au moins vous savez que c'est vrai. Mais des fois, vous avez dit, quelle est la volonté de Dieu? Comment est-ce que je peux prier? Eh bien, sachez que vous avez l'assistance de l'Esprit de Dieu dans ce domaine. Il nous dit dans Romains chapitre 8 et les versets 26 et 27, il nous dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit,
parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous voyez, il nous anime non seulement pour parler aux hommes, mais il nous anime aussi pour parler à Dieu. Aussi, le Saint-Esprit agit en nous et nous rend capables dans le service parce qu'il nous donne des dons spirituels. Tout comme nous avons reçu des talents lors de notre naissance naturelle, et bien lors de notre nouvelle naissance, le jour où nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes nés de l'Esprit, et bien nous avons reçu des dons spirituels. Et il nous dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Ça, c'est 1 Corinthiens, chapitre 12, et verset 7. Verset 1, je veux dire. Au verset 7, il dit, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et au verset 11, il dit, un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Donc, les dons spirituels dont nous avons besoin pour servir dans l'Église, pour encourager l'Église, pour répondre aux besoins de l'Église, eh bien, ces dons-là, ce sont les dons que nous recevons par l'Esprit Saint. Il nous a donné par l'Esprit Saint, il nous donne tous les dons. On est appelé à être des témoins. C'est lui qui nous donne la puissance nécessaire. Nous avons besoin d'assurance dans le témoignage. C'est lui qui nous donne l'assurance. Nous avons besoin de l'assurance dans la prière parce que nous ne savons pas comment prier. C'est lui qui agit. Nous avons besoin de servir l'Église. L'Église a un besoin. Eh bien, on a besoin de quelqu'un pour enseigner, quelqu'un pour prier, quelqu'un pour encourager, quelqu'un pour relever, quelqu'un pour croire que Dieu peut agir. Eh bien, l'Esprit Saint est celui qui répond à tous ces besoins. Donc, nous avons dit premièrement, l'Esprit anime. Et quand il anime, ce n'est pas seulement pour faire bouger, mais c'est pour servir, pour être utile. Deuxièmement, je dirais que l'Esprit purifie. Son rôle est de nous purifier, parce que quand nous venons à Dieu, nous venons tels que nous sommes. Et il nous pardonne, mais nous sommes dans l'état. Et à partir de là, il y a une transformation qui doit se faire. Et je lis dans 1 Corinthiens, chapitre 6, et verset 11, et la deuxième partie, il nous dit que « Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Vous voyez, les trois personnes de la Trinité sont mentionnées là, hein, Jésus, l'Esprit et l'Esprit de Dieu, hein, Dieu est là, mais c'est l'Esprit qui a été celui qui a exécuté cette œuvre en nous, qui nous a lavés par la parole, qui nous a sanctifiés. Ça veut dire que constamment, nous sommes rendus de plus en plus saints, transformés. Et il dit, et il nous a justifiés. C'est-à-dire, c'est cette position de juste qu'il nous accorde devant Dieu. Aussi, le Saint-Esprit a un ministère de remplacement. Il remplace les œuvres de la chair par le fruit, qu'on appelle le fruit de l'esprit. Je ne vais pas vous énumérer le fruit de la chair, ce sont les passions, ce sont les actes et tout ce que nous avons connu et ce que nous voyons autour de nous. Mais le fruit de l'esprit, et remarquez que c'est du singulier, le fruit de l'esprit, c'est un tout, même si ça a plusieurs facettes. C'est comme le diamant, plus il a de facettes, plus il brille. Eh bien, là aussi, le fruit de l'esprit nous dit que c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et il ajoute, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Si j'ai reçu la vie éternelle par le biais de l'Esprit de Dieu, eh bien, il nous dit marcher selon l'Esprit. Ça fait de dire marcher derrière lui, comme il nous instruit sur le chemin qu'il nous présente. Donc, je souligne encore, il remplace les œuvres de la chair par le fruit d'esprit. C'est-à-dire que lors de ma croissance, au fur et à mesure de ma sanctification, eh bien, le Steve ancien va disparaître. On verra de moins en moins souvent ces traits de l'ancienne vie et on va voir de plus en plus apparaître le fruit que produit l'Esprit de Dieu en nous. Et ça, c'est une croissance spirituelle saine. Et si ce n'est pas ainsi que ça passe chez vous, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Hein, il y a un bouchon dans la tuyauterie. Et donc, ça ne passe plus. Donc, nous avons dit que l'Esprit de Dieu nous anime, il nous donne cette capacité d'avoir une activité qui plaise à Dieu. Nous avons vu que l'Esprit de Dieu nous purifie dans le sens qu'il enlève l'ancien pour mettre du nouveau, qu'il nous transforme, qu'il nous rend présentable à Dieu. Et puis, troisièmement, je dirais que l'Esprit unit. Hein, c'est très caractéristique de Dieu que chez lui, tout devient un. Ils sont une trinité, mais Dieu, un seul Dieu. Il parle de l'homme et de la femme qui se marient, deviennent une seule chair. Et puis quand il parle des millions de croyants qui sont rachetés par le sang de Christ et forment un seul corps. Dans l'Église primitive, hein, l'Esprit de Dieu est venu sur eux et les premières manifestations de l'Esprit de Dieu parmi ces personnes qui croyaient et qui recevaient Jésus-Christ et qui se repentaient et qui étaient baptisées et qui recevaient le Saint-Esprit, eh bien, la première chose qu'on voit, eh bien, laissez-moi vous lire la description. Il nous dit « Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Vous voyez comment, dans leur diversité, dans leur multiplicité, eh bien, ils s'unissaient, ils se retrouvaient ensemble. Et c'était un peuple nouveau. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Dans la diversité, l'unité. Il y a aussi un autre aspect d'unité. Il y a pas seulement l'unité au niveau horizontal, mais il y a aussi l'unité verticale, qu'on appellerait la communion avec Dieu, la communion entre l'homme et Dieu, comme union, hein, la communion, cette relation qui existe. Et grâce à l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs, une communion se crée entre nous et Dieu. Et nous avons l'impression de faire partie de ce qu'il est, et lui, eh bien, il s'investit en nous. Et nous avons l'impression de marcher ensemble sur une même voie, dans une même direction. Et je lis dans 2 Corinthiens chapitre 13 et au verset 13, il nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Voilà l'aspiration.
la Trinité est là avec nous. Hein, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ça devient un nouveau tout. Et là où il y a la discorde, et l'apôtre Paul dira, là où il y a la dispute, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui gère, mais c'est la chair. C'est l'ancienne nature. L'ennemi de Dieu est là toujours pour mettre la zizanie, pour mettre la division, pour mettre la scission. Mais l'Esprit de Dieu rassemble. Il y a quand même un dernier point que je veux souligner qui est très important, parce qu'il est pratique. C'est qui nous permet d'expliquer pourquoi tous les chrétiens ne sont pas, n'ont pas la même ardeur dans leur relation et leur marche avec Christ. Si l'Esprit de Dieu fait toutes ces choses, pourquoi est-ce que tous les chrétiens ne sont pas, marchent pas dans la pureté, dans l'unité et à la gloire de Dieu? Comment expliquer cela? Eh bien, la présence du Saint-Esprit dans l'enfant de Dieu se manifestera en proportion de sa bonne disposition envers l'œuvre de l'Esprit Saint en lui. C'est-à-dire que je ne ferai des progrès que si je laisse agir l'Esprit de Dieu. Si je me soumets, si je suis, si je marche vraiment selon l'Esprit, c'est en proportion de ma disponibilité et mon degré d'acceptation de l'œuvre de l'Esprit en moi que je pourrai progresser. Et c'est pour ça que nous sommes tous à des stades différents. Un, parce que nous n'avons pas commencé au même moment. Et deux, c'est parce que certains, il y a eu un peu plus de résistance que d'autres. Et certains, il y a eu des moments d'arrêt, des moments où ils se sont égarés, puis reviennent, ils retrouvent la communion du Saint-Esprit, et alors les choses reprennent. Vous savez, Étienne, ce qu'il a reproché aux Juifs, pourtant ils avaient la parole de Dieu, ils avaient étaient jaloux de Dieu, ils avaient une admiration, ils adoraient presque les textes bibliques. Tellement ils avaient du respect pour le nom de Dieu qu'ils ne le prononçaient même pas. Ils faisaient une pause plutôt que de prononcer de manière vaine le nom de Dieu. Et pourtant, Étienne, quand il a parlé aux chefs des Juifs, il leur dira « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Il a dit, oui, vous aviez la parole, oui, vous avez Moïse, vous avez les prophètes, vous avez tout cela. Mais vous n'êtes jamais soumis à cette parole. Vous avez résisté à ce que l'Esprit de Dieu voulait faire dans vos cœurs. Et pour cela, ben, vous n'avez pas reconnu Jésus-Christ comme étant le Messie qui avait été promis. Mais vous l'avez rejeté. Vous l'avez crucifié, vous l'avez mis à mort, et vous voulez maintenant même nier son existence. Mais c'est pourquoi ils n'ont pas pu progresser dans la bonne direction, c'est parce qu'ils résistaient à l'œuvre de l'Esprit. Lorsque nous résistons à ce que l'Esprit nous montre clairement, eh bien, nous attristons l'Esprit. Et cela affecte notre vie. Si l'Esprit qui est en nous est attristé, eh bien, je n'aurai pas la joie. Parce que ma joie vient de l'Esprit, c'est le fruit de l'Esprit. Je n'aurai pas l'amour parce que l'Esprit ne produit pas l'amour en moi. Je n'aurai pas la patience. Et même si je suis chrétien, je ne serai pas patient. Il n'y aura pas l'amour qu'il faut, il n'y aura pas la patience qu'il faut.
Et alors, et si ça dure trop longtemps, ça devient de la colère, ça devient de la jalousie, ça devient de la méchanceté, ça devient, et puis ça commence à ressembler au monde. Il dit, lorsque nous résistons, eh bien, nous attristons l'Esprit de Dieu. Il dit dans Éphésiens 4, 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ne l'attristez pas. Il est là pour votre bien. Il est là pour vous préparer pour le jour de notre rédemption, ce jour où nous irons dans la gloire. Et si cette résistance continue, eh bien, il emploie une métaphore de l'étouffement d'un feu. Hein, c'est, vous voulez éteindre un feu, vous jetez du sable dessus, vous mettez un seau dessus pour étouffer le feu. Eh bien, il dit, cette résistance peut aller jusqu'à l'étouffement du feu de l'esprit en nous. C'est-à-dire que sa présence ne paraît plus. Et il emploie le mot en 1 Thessaloniciens 5, 19, il dit « N'éteignez pas l'esprit ». Là, on le voit nulle part, on le voit paraître nulle part, on ne voit pas son œuvre, on le voit tout ça. Et la personne ressemble en toute chose à quelqu'un, un incroyant. La venue du Saint-Esprit durant la fête juive de la Pentecôte et l'accomplissement d'une promesse de Jésus à ses disciples. Il leur a dit, je vous enverrai un consolateur. Il a dit, moi je m'en vais, je vais partir. Je m'en vais vous préparer une place. Et les disciples ont dit, et nous ? Il dit, oh non, je vous enverrai un autre consolateur, un autre semblable à moi, l'Esprit Saint. Écoutez ce qu'il dit. Dis, moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Il dit, oui, je m'en vais. Et l'Esprit Saint restera avec vous, il vous gardera, il vous conduira, il vous rassurera, il vous aidera. Et tout ce que nous venons de dire et beaucoup d'autres choses, parce que je n'ai dit qu'une partie, eh bien, et il vous maintiendra jusqu'au jour où je reviendrai et nous serons ensemble avec lui. S'il l'a envoyé, c'est que nous avons besoin de lui pour vivre la vie du disciple et pour vivre la vie d'un témoin. De nos propres forces, il nous est impossible de vivre la vie chrétienne et encore moins de pouvoir être un bon témoignage pour les autres. Parce que si ce n'est pas l'Esprit qui agit en nous, le monde ne voit pas la présence de Dieu et donc pour eux, eh bien, ce n'est un autre humain qui a ses idées à lui. Mais ce qu'ils ont besoin de voir, c'est que Dieu existe toujours et qu'il est à l'œuvre. Mais maintenant, il ne se manifeste pas par des signes, mais il se manifeste au travers de l'enfant de Dieu. Pour que cela puisse se faire, pour que l'œuvre de Dieu, l'Esprit de Dieu puisse accomplir son œuvre, exécuter la volonté de Dieu dans nos vies, eh bien, nous devons le laisser agir. Et chaque fois que nous entendons quelque chose de la parole et que nous comprenons, nous saisissons, sachant que c'est parce que lui nous a rendu capable de saisir une vérité. Et une fois que nous l'avons saisie, ben nous sommes responsables pour la mettre en pratique. Donc facilitons donc son œuvre en nous et son œuvre au travers de nous, parce que ceux qui sont autour de nous vont en jouir et vont en bénéficier. Nous avons besoin de cette œuvre de l'Esprit de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs. Et
Je prie que, quel que soit le stade où vous êtes, si vous êtes encore hésitant, vous dites, mais je ne crois pas encore, eh bien, sachez que c'est l'Esprit de Dieu qui vous aidera à amener, vous amènera jusqu'à la foi. Et si vous êtes enfant de Dieu, eh bien, sachez que l'Esprit de Dieu est en vous pour vous aider à vivre cette vie et à la réaliser. Et donc, en terminant, nous voulons chanter un cantique de consécration. Jésus te confie une œuvre d'amour, c'est le 614. Le 614 dans nos recueils, les aides de la foi. Ces moments que nous avons pu passer ensemble, et sachez que l'Esprit Saint, eh bien, il est important. Hein, nous croyons tout à fait à l'Esprit de Dieu et son œuvre dans nos vies, et que l'Esprit de Dieu puisse faire son œuvre chez vous, en vous. Et donc, je vous encourage. Vous avez écoutez cette prédication
Et elle est enregistrée sur YouTube dans le compte Église évangélique, Église baptiste Fréjus. Transmettez ce lien à d'autres, que tous entendent et que tous puissent bénéficier de la parole de Dieu. Je vous laisse sous le regard de notre bon Père Céleste.